Allez, tiens-moi, nous commençons par vous-même. Peut-être en général sur la campagne qui peut démarrer demain et puis qui côté pour faire. Il y a aussi un centre de vaccination. Alors, on va commencer pour dire aujourd'hui d'une faire un exercice de simulation pour guetter, assurer qu'il y a toute une étape qui nous prend pendant que nous faisons un vaccin, faire une campagne de vaccination, toute une étape qui nous respecte. De fin d'été, qui manière faire le registration, comment, qui manière faire le consent form, comment faire ben différentes étapes de vaccin, et aussi en cas ayant un effet secondaire, qui manière nous faire ça avec l'effet secondaire. Là. Pas oublier, ensemble avec ça, nous avons le numéro 8924 qui est inactif. N'importe qui s'en a qui fait un vaccin, qui est capable toujours au téléphone 8924 ou bien il rentre dans un centre de santé ou demande n'importe qui l'état, qui condition, mais n'importe question pour lui poser, nous pouvons faire ça. Et aussi le training ongoing qui nous permet de faire différents, tout le monde qui peut participer, un personnel qui peut participer dans la campagne de vaccination, de continuer à être training. C'est surtout les informations, les continuer, les données continuer à changer, comme ça nous étions prêts à n'importe quelle éventualité. Voilà en gros, qui manière nous pour démarrer la campagne de vaccination à partir de demain. Et c'est demain nous pour commencer ici. Pas nous pour commencer à faire le premier, frontliners qui travaillent à l'hôpital INT. Pour commencer à faire le vaccin. Nous aussi, nous avons le Belmont Treatment Center, mais là aussi, ben, différentes staffs de différents hôpitaux qui ont tout de rôle à travailler dans ça, ben, ce centre-là. Et là aussi, je te parle, demain, commence à faire le vaccin et nous recommençons le programme-là ici. Et à partir de là, nous allons à l'aéroport. À l'aéroport, veut dire tout ben dimoun qui est exposé, c'est-à-dire voyager, qui emmène passager, venir. Alors, tout ça, ben dimoun-là, je te ben compliners, ben aussi, nous pour faire vaccin avec eux, y compris chez les pauvres qui balancent pour faire vaccin. À partir de la semaine prochaine, dans tout le monde de l'hôpital, c'est-à-dire dans tout le monde Regional Hospital, nous vous commencer, c'est-à-dire ici, pour ça, dans sa place-là, nous vous commencer à faire vaccin pour nous mettre frontliners, pour nous mettre staff de l'hôpital qui travaille dans le service, que tous les temps, vous êtes exposés, vous êtes frontliners qui vous aident à faire vaccin pour le commencement, maintenant vous avez une priorité des priorités. Qu'en est-il de l'achat ou de un nouveau vaccin qui peut venir? Alors déjà, toutes les procédures sont finies en plancher pour les nouveaux batchs de vaccins. Vous pensez dans les semaines qui peuvent venir, nous vous finissez avec l'information. Ou précisément les amours pour venir. Tout ça va être réponse qui est là avec le nouveau batch de vaccins qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Monsieur le ministre, quelques informations, précisons par rapport à mon cas qui finit gagné parmi le personnel soignant et un staff de Mauritius. Oui, alors les bons me faire appel qui tout ben ne commence pas les personnel soignant qui reste dans qui fait le travail. Alors ben personnel soignant qui je travaille dans un centre de quarantaine, je quand même je exposé. Et tout ça, ben personnel soignant, là, je déjà fait je passeport quarantaine, je reste dans quarantaine, je même, vu que je travaille. Et là, ensuite, avant de aller, je fais un test. Nous finissons hier détecter trois personnels de santé dans un centre de quarantaine. Il y a un médecin, un infirmier et un attendant qui finissent détecter positif. À partir de là, je finis dans l'hôpital INT pour le traitement. Tout le staff qui travaille dans sa bâche-là, tout ça, le staff-là, je continue à rester en quarantaine prolongée, parce qu'ils l'ont reconnu dans un léger test dans une semaine en cours. Attention, on ne va pas faire un test, on va détecter les autres là-même. Et ça, le staff qui m'a dit, là, même je suis exposé avec un patient qui s'est testé positif une semaine de cela. Patient-là, il est fini à faire ce traitement. Nous gardons le protocole, nous continuons à mettre en quarantaine pour nous observer. Maintenant, ce qui concerne un groupe, Mauritius, qui dit que je fais un voyage, je vais tourner, je fais self-isolation pour eux. Pendant cette self-isolation, le 7e jour, nous faisons des PCR avec eux. Là aussi, nous faisons détecter un cas positif, et ça, un cas positif, là, lié à un traitement. Et puis, tous les personnels de la santé, tous les personnels qui travaillent ensemble, qui travaillent dans sa couleur, je tout. Nous prenons juste tous les films de la médecine de quarantaine et aussi de la famille qui reste ensemble avec Sartre, qui nous fait dire qu'il est détecté. Pour ça, nous assurer qu'il devait continuer à faire 20 tests avec eux et si arrivé, nous détecter quelqu'un qui est positif, nous mettons dans
s'entendre en fait. Sinon, Léla a posé le test, Léla nous connaît, qui nous sert, qui n'a aucun contact, qui n'a aucune propagation. Bon. Et si jamais certains personnels enseignants ont un peu réticents pour les vaccins Alors, nous là, on donne toutes les informations, nous tout connaît qui nous faisait faire vaccin pour protéger nous-mêmes. Parce qu'il nous connaît COVID-19, mais toujours dans le monde entier, nous, avec une misère stricte qui nous permet de nous empêcher COVID-19 d'amourir. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, nous n'avons pas besoin d'engager d'un programme de vaccination. Pareil, comme tout le monde connaît, toute une maladie qui est contagieuse, venir ce vaccin. Alors, nous, programme de toute information et pour protéger la population, je vous recommande le vaccin d'un état bien important. Vous avez un personnel médical pour obliger le vaccin? Alors, à titre volontaire, les personnels médicaux, je connais ce que ça veut dire un vaccin, je connais toute l'information et quelle manière un vaccin permet de protéger vous-même. Alors, il est normal que nous nous faisons faire le vaccin avec la seule disponibilité et ensuite, avec tous les conseils, avec tous les renseignements qu'il y a de pour que cette campagne de vaccination passe bien. Merci beaucoup.